Bienvenue sur la chaîne, vous aimez le bon son, vous aimez écouter la musique sur une belle paire d'écouteurs Bluetooth, je vous présente la toute nouvelle gamme des écouteurs Bluetooth 5.3 multipoint de la marque Soundpeat. Je vous présente les Go Free 2 compatibles iOS, Android, macOS et Windows. Ces écouteurs vont être parfaits pour les sportifs et les mélomanes. On va tout de suite passer au déballage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à encourager la chaîne. Vous avez déjà présenté plusieurs écouteurs Bluetooth de la marque Soundpeat. Ici, on est sur leur dernier modèle, équipé des derniers codecs LDAC. Donc, vous avez des écouteurs ultra puissants. Pour moins de 80€, vous allez bénéficier d'écouteurs à conduction aérienne, très puissante avec de belles basses. Vous ne serez vraiment pas déçu de ces Soundpeat. Alors en fait, attention, puisque dans le boîtier du haut, vous avez un petit carton qui renferme en fait la notice et la carte de garantie. D'ailleurs, pas de souci, la notice sera bel et bien en français. Voici d'ailleurs le boîtier qui contient donc les Go Free 2. Ce boîtier est de couleur noire. Ce boîtier chargera aussi nos écouteurs. Il servira de batterie et pour le recharger, il sera équipé d'une connectique de type C. À l'arrière, on retrouve donc cette connectique. La voici. Allez, je vous fais pas plus languir. Voici donc les Soundpeat, les Go Free 2. Alors, ils sont équipés de 4 micros et ils sont eux aussi de couleur noire. Équipé du Bluetooth 5.3, vous allez pouvoir connecter jusqu'à 5 appareils sur ces écouteurs. Équipé du son iReaders, muni des derniers codecs LDAC, vous aurez donc une portabilité de 10 à 15 mètres suivant les obstacles. On va retrouver des haut-parleurs de 16,2 mm et on va retrouver une conduction aérienne. Pourquoi? Eh bien, avec ces écouteurs, vous allez avoir vos oreilles libres. Vos oreilles seront libres d'entendre les bruits environnementaux, quoi qu'il arrive. Vraiment de très bons écouteurs. Ici, je vous les montre de très près. Franchement, c'est de la bombe. Idéal pour les sportifs, idéal pour les marcheurs, si vous faites de la marche en montagne, avec ces crochets de sécurisation sur le côté. Vous pouvez les voir ici en gros sur votre écran. Ils vont parfaitement bien épouser l'arrière de votre oreille. Ceci fera donc un demi-cercle qui viendra épouser correctement votre oreille. Donc ces écouteurs vont tenir parfaitement bien tout autour de votre oreille. D'ailleurs, le tour d'oreille est très flexible, vous pouvez voir ici. Et vous allez avoir des écouteurs tactiles, donc gérables directement sur le devant. Vous, avec ces écouteurs, en fait, vous allez tout simplement pouvoir écouter la musique, répondre au téléphone, puisqu'ils sont équipés de 4 micros et ils sont équipés de NC, donc pour justement enlever tous les bruits environnementaux pour que la personne avec qui vous discutez vous entende le mieux possible pour avoir une discussion la plus limpide. Vraiment de très bons écouteurs. Allez, on les appaire à un iPhone, je les appaire à un Android et je vous montre comment cela se passe. Lorsque vous allez mettre le boîtier en charge, tout simplement sur le devant, vous allez avoir une petite lumière qui va clignoter et avec les Soundpeat Go Free 2, vous aurez quand même pas moins de 35 heures d'autonomie, ce qui est vraiment énormissime. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le tout fera 72 grammes, donc on aura vraiment un matériel très léger. Côté appairage, c'est simple, hein, vous sortez les Go Free 2 de leur boîte, vous les mettez dans vos oreilles, vous vous dirigez dans votre appareil, dans Bluetooth, et vous allez tout de suite voir apparaître Soundpeat Go Free 2, donc vous vous appairez, et ce qui est appréciable, c'est le multipoint. Vous allez pouvoir naviguer jusqu'à 5 appareils sans problème avec ces écouteurs Bluetooth. Et pour les mettre, c'est tout simple, on a ici un petit tour d'oreille. On va aller mettre ce tour d'oreille autour de l'oreille. Tout simplement, comme vous pouvez voir, l'écouteur reste en suspension devant l'oreille, ce qui vous laisse en fait les oreilles complètement libres et ce qui vous laisse la possibilité d'entendre les bruits environnementaux. Si vous êtes quelqu'un qui fait du sport à l'extérieur, vous allez pouvoir entendre les voitures, les vélos, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, le dessus est complètement tactile. Avec un double tap, on peut lancer la musique. Un triple tap, on va lancer le Siri ou alors le Google Assistant sans problème. Ça nous permet d'avoir les mains libres. Vous pouvez voir ici si j'ai un appel. Appel téléphonique. Tout simplement. Appel.
avec un double tap, comme vous avez pu voir, j'ai pu prendre l'appel sans aucun problème. Et si je veux raccrocher, pour accrocher, je vais tout simplement refaire un double tap. Et voilà, donc l'appel est directement raccroché, directement en tactile sur le dessus du Go Free 2. C'est-à-dire que ces écouteurs de chez Soundpeat sont aussi des écouteurs pour faire du jeu. Si vous faites du jeu sur un PC, eh bien vous allez pouvoir mettre le Game Mode. Ça, c'est plutôt un bon point aussi. Et en plus, je vous ai déniché un petit code de 10% que vous retrouverez en description, sans problème, avec le lien où vous pourrez vous procurer ce genre d'écouteurs. Parmi les points positifs, on va retrouver la conduction aérienne, pour ceux qui n'aiment pas avoir les conduits auditifs pris par des écouteurs en intra, eh bien la conduction aérienne est parfaite puisque vous n'avez rien qui rentre dans votre oreille, tout reste sur le devant de votre conduit auditif et ça c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Je vous mets donc tous les liens en description. Voilà pour la présentation de ces Go Free 2 de chez Soundpeat. Donc bien sûr, c'est compatible iOS, c'est compatible Android, c'est compatible toute plateforme. Vous avez tous les liens en description. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Et surtout, pensez bien à vous abonner. Et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année demain. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.